Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultanallah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله ولا هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا رجال الله مدد أهل الله مدد سلطان الأولياء شيخ محمد نازل الحقاني دستور مدد صاحب الإمداد مدد الحق محمد الشنقباني Islam is the way to Allah. C'est le chemin vers la présence divine. C'est le chemin pour la purification de l'être, pour qu'il puisse s'élever. Et nous demandons, Ya Rabbi, purifie nos âmes. Nos âmes qui, dans ce monde, sont souillées par le contact de la matière, de la matérialité, l'influence du shaitan et l'œuvre de l'ombre de nos âmes, la nafs, l'ego, qui amène les humains sur des dédales et des chemins tortueux. Et l'islam est à propos de ce chemin qui permet aux gens d'élever l'horizon de leur accomplissement, de se libérer de leur état primaire, des influences négatives, et de se préparer à travers la purification à s'élever vers la présence de leur Seigneur. Mais cela est une œuvre difficile. Lorsque nous regardons jusqu'à quel point nous sommes limités en force, nous sommes limités en capacité. Et lorsque nous regardons jusqu'à quel point les défis sont nombreux. Il est dit que c'est Najibril, alayhi salam, lorsqu'il lui a été présenté Sirat al-Mustaqim, le chemin droit qui menait vers la présence d'Allah, il a versé des larmes devant son Seigneur. Il a dit, Ya Rabbi, je crains qu'aucun d'entre eux ne soit éligible à passer sur ce chemin. Allah Azawajal a dit, alors, ton Seigneur sait ce que tu ne sais pas à propos de cette créature. Allahu Akbar. Mais si difficile de se tenir, de tenir notre monture. Et on rappelait que l'islam a été révélé comme chemin vers la présence d'Allah. Il a dit « Inna Allah l'islam » avec un niveau
qui adresse la physicalité, un niveau qui adresse l'esprit, l'intellect, et un niveau qui adresse le cœur. Et tellement de sciences, tellement de connaissances, des océans. Mais pour nous, quelle est son efficacité à nous rendre meilleurs, à nous améliorer et à nous préparer à la rencontre du Seigneur des mondes. La rencontre où nul être ne sera accepté, même avec Zahra, une particule de kibr, d'arrogance, ou de toute autre mauvaise manière. Alors, il est un compagnon, un homme venu du désert qui était simple dans son regard, qui demanda au prophète, c'est un chemin qui est large, dont la compréhension est grande, et tellement de science, tellement de savoir. J'ai entendu le Coran Karim, tellement de révélations, des océans. Comment un être comme cela peut contenir autant? Ya Rasulallah, l'essence de ton message, il est à propos de quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: véritablement, j'ai été envoyé pour enseigner la perfection de caractère, pour parfaire le caractère. Pour parfaire le caractère. Et comment parfaire le caractère alors que nos actions transgressent, nos paroles transgressent, nos regards transgressent, notre toucher transgresse, ce que nous entendons transgresse, notre pensée transgresse, nos intentions, alors ce qu'il y a dedans. Ah, cette partie Allah a voilée aux humains de voir. Si on voyait, subhanallah. Et l'islam ne se bâtit pas sur des grands principes. Ici, il y a les zawiya. C'est une zawiya où on enseigne à propos du travail sur le caractère, sur des principes simples, pas des concepts très pompeux et des discours très académiques. Ça, c'est pour les académiciens. Ça, c'est la recette. Mashaykhina al-Kiram, Aulia, leurs assemblées, comme ils ont imité l'assemblée Salaf Salah, des pieux prédécesseurs, et l'assemblée Sahara al-Kiram. Sur des choses simples, sur comment bâtir sa foi, comment parfaire son caractère, comment se débarrasser de tous ces aspects transgressants de nos caractères et d'aller vers le plaisir d'Allah. Et le travail de l'islam est à propos de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui me garantit ce qui est entre ses deux jambes et ce qui est entre ses deux mâchoires, je lui garantis le paradis. Tellement de transgressions des humains viennent de ces deux côtés-là. Chaque fois, son désir physique
et tout ce qu'il va faire pour. Tellement de luttes de pouvoir, tellement de luttes de choses, tellement de luttes à propos de la dunya. Pour cela, c'est pour asseoir le pouvoir, l'autorité, et pour assouvir nos désirs parfois les plus bas. Celui qui garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, alors sa langue. Comme il a dit Sayyidina Abou Bakr al-Siddiq, il a tiré une fois sa langue, il a dit « Mais comment tu m'as mis dans le trouble tellement de fois ?» Il est Siddiq, il est le véridique, il est celui duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que Allah azza wa jal m'a dévoilé, je l'ai déversé dans son cœur. » Si on devait mettre son iman sur un côté de la balance et le iman de la création au complet sur l'autre côté, alors le iman de Abou Bakr est plus lourd. Et il parlait de lui comme cela, cet homme, Jallah, les seigneurs d'Allah, ceux qu'il a choisis. Qui a gardé dans sa bouche pour maîtriser sa langue. Cette lance acérée que nous avons, 7 ans, une pierre, pour garder le silence. Et nous, que faisons? Subhanallah. Le chemin de l'islam est simple. Ses principes sont simples. Celui qui a complété sa foi, duquel personne n'a à craindre sa main ou sa langue. Est-ce que les gens sont saufs de notre main? Qu'on se questionne. Est-ce que les gens sont saufs de notre langue? Qu'on se questionne. Combien de fois nous avons parlé sur quelqu'un? Nous avons mangé sa chair. Nous avons critiqué quelqu'un. Nous avons médit sur lui. Comme ils disent, Malayane, nous sommes rentrés dans ceux qui ne nous regardent pas à propos de lui. Combien de fois nous avons semé le doute, ou nous avons semé la rumeur, ou nous avons propagé la calomnie avec cette langue. Combien de fois nous avons transgressé. Nous avons fait mal, nous avons insulté, nous avons moqué, nous avons manqué de respect. C'est une œuvre quotidienne et permanente. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, le musulman, il est sacré pour son frère musulman. Sont sacrés absolument chez Allah, 4 choses fondamentales chez lui. Son intégrité, son sang, sa propriété, son honneur. Est-ce que nous nous occupons les uns des autres de s'assurer que nous ne transgressons pas nos frères et nos sœurs musulmanes sur leur intégrité, sur leur propriété, sur leur honneur ou sur leur sang? Tellement de sang versé sur la terre de l'islam aujourd'hui. Tellement de gens aujourd'hui, juste dans leur commerce, ils mangent le haram sur le dos de leurs frères. Toutes ces fortunes qui se bâtissent sur des façons de commercer illégales, sans vergogne. Pourquoi? Parce que vous êtes plus intelligent, ou vous avez plus d'argent pour en faire plus, ou cela, ils ne valent pas moins, vous avez hérité, ou vous vous êtes attitré des titres, cela, ils sont de couleur plus sombre. Toutes les raisons sont bonnes. Le croyant toujours, en fait, sallallahu alayhi wa sallam,
il enseignait jusqu'à quel point on devait faire attention à lui, à ne pas le transgresser, à veiller sur son honneur, à le couvrir, à l'honorer, à le visiter, à l'aimer. Si on te dit du mal de lui, alors tu le défends. Si il est oppressé, tu voles à son secours. Si il est dans le besoin, tu lui apportes ton aide. Si il est malade, tu le visites. Si il décède, tu vas à son cortège funèbre. Si il est dans la tourmente, lève, tel un chevalier, ton bouclier pour l'honorer. Est-ce que nous faisons cela ? Lui, il est tombé, ça devient une raillerie, ça devient une moquerie. Notre sport national. Qui est gagnant là-dedans ? C'est lui et ses immondices et ses chiens et ses créatures infernales qui sont dans la célébration aujourd'hui sur le malheur de Bani Adam, des enfants d'Adam, sur le déshonneur des musulmans, sur le sang et les larmes des innocents. Pourquoi ? Parce que nous ne veillons pas les uns sur les autres et nous sommes transgresseurs les uns pour les autres. Allah Azzawajal, celui qui s'est établi l'arche, le Hayyul Qayyum, l'Aziz, le Suprême, l'Omniscient, l'Omnipotent, celui duquel a procédé toute chose, qui existe par lui-même. Il s'est interdit une chose. Allah Azzawajal s'est interdit une chose, le Seigneur des mondes. Il s'est interdit l'olum, l'oppression, l'obscurantisme. Et il demande aux serviteurs de s'interdire cette oppression et cette transgression. Envers qui ? L'olum, cette oppression que nous déversons les uns sur les autres. Allah Azzawajal, chaque œuvre ici-bas a une conséquence. Celui qui a fait le poids d'un atome de khair, il en verra le fruit. Celui qui a fait le poids d'un atome de transgression, il en verra le fruit. Grandir, ce n'est pas facile. C'est une question de noblesse de caractère. Comme on dit chez nous, la noblesse de caractère, tellement difficile. Le caractère chevaleresque, futuwat, ce caractère chevaleresque qui a habillé l'anbiya, les prophètes. Ce caractère chevaleresque qui a habillé mursalin, les messagers. Qui a habillé Sahaba al-Kiram, qui a habillé Awliya al-Kiram. Ce caractère noble dont nous comprenons la profondeur, mais que nous ne sommes pas capables d'imiter. Pourquoi le shaitan est si acéré, si gagnant sur les créatures aujourd'hui. Caractère chevaleresque, celui qui garde sa langue et qui garde ce qu'il y a entre ses deux jambes. S'il reçoit le mal, il le retourne sur le bien. Sahaba al-Kiram, quand ils étaient transgressés par quelqu'un, alors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait enseigné,
ils invoquaient pour lui, ils intercédaient pour lui. Il allait le visiter avec un cadeau. Sayyidina Ali, karamallahu wajha, Allah illumine pour l'éternité, tel mille soleils son visage. Subhanallah, Asadul al-Ghari, le lion d'Allah. Vaillant et fort, plus que mille hommes, le bouclier de la terre jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est pas sa réalité, la terre serait envahie par les créatures de l'invisible. Jusqu'aujourd'hui, c'est le bouclier qui protège cette terre. 1500 ans après son départ. Il veille sur la terre jusqu'au jour du jugement dernier. C'est lui qui supportera l'armée de Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam. Chaque soldat, il a le tajalli de Sayyidina Ali. Chaque soldat vaillant, cette armée de 12 000 hommes, sous la force de Sayyidina Ali. Il est celui qui supportera cette armée, la portera avec sa force et sa vaillance et sa puissance, à lui seul. Et ils disent, ah, c'était des hommes comme nous. Ils sont morts et ils sont partis. Ça, c'est celui qui efface la grandeur de ce que Allah a agrandi. C'est le shaitan. Celui qui efface l'honneur de ce que Allah a honoré, c'est le shaitan. Celui qui efface la vérité, alors que Allah l'a établi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établi, c'est le shaitan. Celui qui sème la confusion, c'est le shaitan. Et jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à la fin de ce monde, c'est Sayyidina Ali Karamallahu Wajha qui protégera la terre et qui exterminera les créatures de Juj wa Majuj. Seul. Seul. Allah Ali. Cheikh al-Mardan, Mawlana Cheikh, Allah élève, illumine son secret. Les deux dernières années de sa vie, tous les jours, il se lève pour adresser Jama'a sur le nom de Sayyidina Ali, Cheikh al-Mardan. C'est les hommes d'Allah, les hommes de la grandeur, les hommes et les femmes qui ont tout donné sans jamais rien demander. Le croyant, noble, le caractère chevaleresque, toujours il donne son khair, toujours il protège le faible. Toujours, il veille sur l'orphelin. Toujours, il a la main sur la générosité. Toujours, il donne sans compter pour Allah. Toujours, quand il s'exprime, c'est pour exprimer le bien. Si alors la turbulence monte en lui, il s'abstient. Quand il est offensé, il fait la louange. Il laisse ça chez Allah. Sayyidina Ali, on parlait de lui, combien de temps à l'avance il savait qui est-ce qui allait le tuer. Il le saluait même sur ce titre-là, mon assassin, salamu alaykum. Et quand il a été frappé, ce qu'il a dit, j'intercéderai pour toi auprès d'Allah. Chaque fois qu'ils étaient frappés, Sahaba al-Kiram, les compagnons, toujours, la première chose qu'ils demandaient, qui est-ce qu'on puisse me pardonner et qu'on puisse prier pour lui. Nous, les gens, nous ont même pas fait, on court après pour leur faire mal.
Nous sommes comme ça. Veillez les uns sur les autres. Cours dans chaque créature un trésor sacré. La lumière d'Allah habite chaque cœur. Son cœur, sur sa langue, a dit la ilaha illallah. Il est le dépositaire de ce secret. Il devient telle une créature sacrée. L'humain, il ne peut faire de mal à rien. Même pas à la mouche s'il n'y a pas une nécessité. Aujourd'hui, se fait mal les uns aux autres sur la notion de différence de couleur, d'identité, de communauté, de tribu, de famille, d'opinion. On n'est pas d'accord sur l'opinion, voilà, c'est la chicane. Alors qu'il est interdit à l'humain, même la branche d'arbre, de l'arracher s'il n'y a pas une nécessité. Même la branche d'arbre, s'il n'y a pas de nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde se déversait sur toutes les créatures. Il s'est adossé sur l'arbre mort, il devient vert. Il a touché le bois mort du membar, il commence à pleurer parce qu'il ne le touche plus. Il a touché le chameau refuse que quelqu'un d'autre le touche. Il a caressé le chat a refusé depuis ce jour de retomber sur son dos. Ils disent, c'est des réflexes animaux. Le chat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aimé, l'a caressé. Jusqu'aujourd'hui, il refuse de retomber sur son dos pour garder cet honneur. Allahu Akbar. Habibika al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la couronne des croyants, la perle de la réalité, la magnificence d'Allah manifestée dans le summum de la créature. L'honneur personnifié. Inna lahu wa laka tuyu salula la nabi. Allah azza wa jalla décrète qu'il lui donne la louange, il le couvre de louange. Il nous ordonne de lui donner la louange dans une formule qui défiera toujours l'intellect, même des awliya les plus élevés. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. C'est une formule intime de proximité qu'on donne à Allah. On demande à Allah de lui donner la louange. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Couvre-le de ta louange. C'est ça notre salawat. Personne n'a réfléchi dessus. Comment cela a été permis? Il y a dedans un secret à propos de l'honneur que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans diminuer la grandeur d'Allah. Subhanallah. Ô croyants, croyantes. Veillez les uns sur les autres. La transgression, c'est l'œuvre du shaitan. Le seul gagnant dans la zizanie et la dissension et la fitna, c'est le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fitna, elle est dormante. La malédiction d'Allah descend sur celui qui l'a réveillé. Allah nous préserve. Qu'il préserve nos cœurs, qu'il préserve nos êtres, qu'il illumine nos cœurs de son amour, de sa présence et de l'amour de la couronne des croyants. Qu'il nous habille de la noblesse, qu'il nous accorde la graine de la chevalerie, que nous soyons de ceux et de celles dont personne n'a à craindre de notre main. Amen. Et personne n'a à craindre de notre langue. Amen. Qu'il fasse de nous des
intelligent, honorable, Amen. Vertueux, Amen. Vaillant, Amen. Qui regarde sur le bien-être des autres, Amen. Qui sont toujours sur la prédisposition d'exprimer le khair des autres. Ya Rabbi, s'il y a un mal en nous, préserve-nous-en, préserve les autres. Que jamais notre main transgresse, jamais notre langue transgresse, que notre pensée soit purifiée, que notre intention soit purifiée. Toutes ces actions, Ya Rabbi, nous savons, sont des voiles pour les cœurs. Nous sommes faibles. Nous invoquons ta grâce et ta grandeur. Par l'intercession du seul capable d'intercéder là où toutes les créatures s'arrêteront. Nous demandons son intercession par l'honneur de ce mois dans lequel il a été manifesté. إلى حضرتنا بالفاتحة.